Ludovic, où allons-nous? À Vias. Et qu'est-ce qu'on va faire à Vias? Au Europa Park. Pas encore, je sais que ça. Mais non, on va à Europark à Vias. En fait, ça a changé de nom. Bref, c'est tout un bordel ce qu'ils ont essayé de faire. Je crois que c'est Fabricus, ou je sais pas quoi. Ils font payer l'entrée et tout. Bref, trop bizarre. Mais là, jusqu'au 21, c'est toujours gratuit l'entrée. Du coup, on en profite. Je sais même pas combien on est. On doit être le 18 ou le 19. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Et là, en fait, je voulais vraiment, vraiment, vraiment y aller pour faire un manège qui s'appelle l'Infinity, qui est unique en Europe, je pense. Et je l'ai jamais vu ailleurs. Avant, il était en Allemagne. Et je faisais que me dire, vas-y, je veux vraiment faire ce manège et tout. Mais je pouvais pas. Parce que bah, l'Allemagne, c'est loin. J'allais pas faire toute cette route juste pour un manège. Et là, il se retrouve juste à côté de chez moi. Donc, je me suis dit, 40 minutes de route pour aller le faire. Ça vaut le coup. J'espère vraiment que je vais pouvoir filmer dedans. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait une restriction sur les caméras et tout maintenant. Donc, ça me saoulerait grave. Bref, du coup, on va aller tester ça. J'espère vraiment que ça va être cool. J'espère vraiment que ça va pas coûter trop cher non plus, parce que sinon, grosse flemme. De toute façon, on vous dira les prix et tout. Mais voilà, on va essayer de passer une bonne soirée. On est arrivé. Chaque fois que je vois cette petite vue, ça me fait trop plaisir. There you go. C'est ça qu'on a fait la dernière fois avec Ludovic. Truc de taré, genre. Bonjour, c'est bon les amis, ce coup-là c'est la bonne. Je vous dis bon bye, je vous dis bon voyage. Ça commence, allez les gars, je vous dis ciao Ludovic, ciao. Mal. Ouais, pour les mecs, c'est pas hyper confortable. Oui, je respire. Enfin, j'essaye en tout cas. Oh my god, Ludovic. J'ai l'impression que je vais vraiment tomber. Hein. Ouais. Ouh. Ouais, je respire, j'essaye de respirer en tout cas. C'est ce que j'essaye de faire, respirer. Ouais, en douceur, en douceur. Non, c'est même pas lui qui parle. Mais. Moi, je pense que si, c'est lui qui parle, genre. Mon dieu, mais. Oh my god, please don't. Please don't. I'm dying inside, like for real. Holy shit! Wow! Ah! 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 Mais là je vais tomber là. Ah. Oh putain, la vie de ma mère. Wow.
vais tomber. Ça va lâcher là, monsieur. Arrêtez. Arrêtez le truc. Arrêtez le truc. Arrêtez le truc. La vie de ma mère, arrêtez le truc. Ouais, merci. Ah ouais, non. Le truc, il lâche là. Tu sens que ton truc, il lâche? Ça là. Ça se décroche, ça. Ah non. Ah si, clairement. Non, moi j'ai trouvé ça super violent en fait. Et j'avais peur parce que je sentais vraiment mon truc qui se barrait. Et j'avais l'impression que ça allait tomber, genre. Ah, c'est mmh, ouais, ça fait pas. Enfin, c'est pas très. C'est surtout que j'ai l'impression que ça va tomber, moi, le truc. Au fur et à mesure du tour, tu sais, le truc il se détache de plus en plus. Il y a genre deux personnes, comme nous tout à l'heure. C'est trop bien. Mais celui-là au moins il faisait pas mal. Ah, ouais, ouais. L'harnais c'est confortable et tout et ça te lâche pas. Je suis là, mais je suis heureusement que je suis pas mal gel. 23 euros la place du coup pour ça. Oui, ça. On voulait le faire, mais 23 euros. 23 euros au lieu de 15. Ouais, il y a deux d'habitude ans. C'était 15 et ça ouais. Coûte vraiment super cher. 23 euros c'est abusé par personne en plus. Je lui dis ah, mais c'est pour tout le monde. Il m'a dit non, c'est pour une personne. Bon, là on va se manger un petit truc tranquille et après j'emmène Ludovic à une surprise dont il est pas au courant. C'est une surprise que je t'offre. C'est une surprise que je t'offre pour commencer ton anniversaire parce que je vais lui offrir un cadeau pour son anniversaire dont il ne connaît pas. Enfin, je pense qu'il sait ce que ça va être, mais il ne sait pas où, ni comment, ni quand. Thank you.
Cette surprise, je sais pas quoi. On va peut-être rentrer à la maison et faire non, mon dieu, mais j'ai honte. Oh, j'ai honte. Merci. Allez, je vais lui faire sa petite surprise. It's time. Allez, let's go. Travel soon. Merci beaucoup. Alors, dis-moi cette surprise. Allez. Ah, la surprise. Alors, dis-moi ce truc de Laura. Ça fait peur. Franchement, c'est vraiment pas mal par rapport à PortAventure. Hein. C'est de l'action et tout, c'est intense. Ouais, c'est hyper stressant. On est souvent dans le noir, moi qui est un peu. J'ai pas trop de surprises dans le noir. Ouais, c'est glauque parce que tu restes pendant longtemps dans une même pièce et tu sais pas ce que tu fais. Ouais, on sait pas où tu vas, en plus il y a des escaliers. Ouais, non, pas au moment où on t'enferme dans un truc et moi j'étais bloqué tout seul. Ça faisait trop peur. Je me suis resté bloqué avec un jeune, il avait peur. Il dit tiens-moi la main, j'ai peur. Moi j'étais bloqué tout seul et en plus j'étais le premier qui m'a dit rentre là. J'étais ouais. Là, ah ok, c'est belle. Deuxième et le jeune il a suivi. On va essayer de faire ça. Hey, on est le lendemain d'hiver. Mon dieu, ma gueule. Et c'était grave cool, c'était trop beau, c'était génial. On s'est éclaté, genre vraiment trop bien, le truc de l'horreur et tout, c'était vraiment ouf. J'espère que ta surprise t'a fait plaisir. Ah super, franchement, bonne surprise. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va à la piscine où il y a plein de gamins qui vont faire les cons, crier, plein de pipi partout. Super. Non, on va à l'espace Grand Bleu à la Grande Motte, c'est grave cool. Du coup, on vous retrouve là-bas, gros bisous. Un petit sourire pour la caméra, s'il vous plaît. Alors? Ça fait un string, wesh. Ça va vite. Ça va vite? C'est impressionnant ou pas? Un peu, ouais. Bon, ok. Bon, mais. Ça fait mal au dos. Ah! Bon, mais bisous. Ouais, du coup, on a fait celui qui. Le vert là. Qui tourne comme ça tout à l'heure. C'était sympa, ça allait vite et tout, c'était aussi un peu impressionnant. Et là, je viens de faire celui-là et c'est rien à voir, genre trop bien. Et là, Ludovic va le faire, du coup, il se retape toute la queue parce qu'il a pas voulu m'écouter tout à l'heure. Je lui ai dit qu'on faisait la queue une fois pour deux et qu'on demandait si du coup c'était possible qu'après il loupe tout le monde parce qu'on voulait filmer chacun notre tour, bref. Et il a pas voulu. Donc, du coup, on va attendre. Pour moi, ça me permet de sécher un peu. Bon, Ludovic, bouge ton cul, j'ai le temps de sécher 4 fois. Voilà, monsieur qui a voulu refaire la queue, voilà où il en est, quoi. Ça y est, là il arrive. Oh.
Alors ? Ça me fait le goût. C'est impressionnant quand même, non ? Ah ouais. Moi je suis allé vite. Ah. En même temps, vu le poids que tu fais, tu calcules la vitesse et le poids. La masse fois le. Ah ouais. Et ça fait la vitesse. Waouh, pas mal. Et ouais. Du coup, vu que t'es plus lourd, tu vas plus vite et tu vas plus loin que moi. T'as vu ça ? Que moi, je vais pas très loin, moi. Mais, ouais, mais, mais toi, t'es une frêle, toi. Pour la fin du petit vlog. On est où, Ludovic ? Au bord de la plage, j'ai une fusée. J'ai des cacahuètes. Avec, on s'est pris des mojitos. Avec du mojito. J'en ai pris deux parce qu'ils coûtaient que 5 euros. Et du coup, je. Que moi. Et je me suis dit. Je me suis dit, vas-y, attends. Je me suis dit 5 euros c'est vraiment pas cher. 5 euros c'est vraiment pas cher et du coup profitons-en quoi. Et voilà, du coup on est au bord de la plage, je sais pas si on va voir derrière moi. On va voir. Ouais. Le moto il est cher ou pas? C'est classe un peu genre. C'est cute. Ah, il y a la grande roue aussi. Trop choupi. Bref, chin chin. Oui, vas-y là. Et moi non? À la vôtre. Et moi. Viens, on fait chin ensemble. Viens, on fait chin. Tu m'as même pas regardé dans les yeux. Mais si. Non, mais je t'ai regardé en fond d'écran.